Salut. Salut. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... D'accord.
Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. C'est une affaire de quantité par rapport à la qualité. Utiliser ces munitions, ça oblige à nettoyer et réparer son arme beaucoup plus souvent. Les modifications d'armes sont les objets tels que les silencieux, les lunettes ou les chargeurs de grande capacité. Les munitions spéciales comprennent les balles perforantes, qui causent des blessures moins graves mais percent les protections. Il y a aussi la pointe creuse qui a l'effet inverse. On tue plus facilement une cible sans protection, mais ça vaut rien contre une armure. Le chef était un type de New Vegas, quelqu'un de la ville. Il avait des grands cannes avec lui, probablement des tueurs à gages. Les grands cannes restent généralement sur leur territoire, au nord-ouest, rapport qu'ils sont ennemis avec la RNC. Deux fois. Chaque fois, j'ai bu beaucoup et perdu presque toutes mes capsules aux cartes. Dans cet ordre, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Si vous allez à New Vegas, faites un tour au Gomorrah. C'est le meilleur casino de la ville. Vous le regretterez pas. Un conseil, pas de bêtises. Entre la police militaire de la RNC et les robots de Monsieur House, mieux vaut éviter de faire des conneries sur le strip. Ah, je crains de pas savoir grand-chose. Monsieur House a son propre casino, le Lucky 38, mais personne n'y met les pieds en dehors de ses robots. Les autres casinos suivent les règles de Monsieur House, alors je suppose que ça en fait le chef de New Vegas. À ce que je sais, personne ne l'a jamais vu. Je crois que le robot qui a sorti votre corps appartient à Monsieur House. Si Monsieur House vous cherche, c'est plutôt une bonne chose, non? Ce sont des durs, mais ils sont pas cinglés. Ils vous laissent généralement tranquille, sauf s'ils veulent quelque chose que vous possédez. Les grands cannes dealent de la drogue. La dope que vous pourrez trouver sortira probablement de chez eux. D'accord. Thank you.
Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. Et bonne chance. Salut. Salut.